Dans les années 90, Evelyn Lauder, icône du monde des cosmétiques atteinte du cancer, crée le symbole du ruban rose avec l'objectif de financer des recherches sur le cancer du sein et sensibiliser sur cette maladie. L'idée s'est répandue à travers le monde et en 1992, la communauté internationale décide de faire du mois d'octobre celui de la lutte contre le cancer du sein. En Côte d'Ivoire, plusieurs associations organisent des actions de sensibilisation, de communication, de levée de fonds afin d'attirer l'attention sur cette maladie et accroître le dépistage précoce pour une prise en charge rapide. Les fonds levés pendant cette période sont entièrement reversés aux associations qui aident et accompagnent les personnes malades. La recommandation de cet octobre rose, faire une mammographie tous les 2 ans à partir de 25 ans. Parce que plus la détection de la maladie est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. À bon entendeur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bienvenue à tous dans le premier live week-end de ce mois d'octobre. Bonsoir mes queens. Hello. Salut les filles, comment allez-vous? Super. Très bien. Et toi? Ça va, ça va, ça va. On a quand même un devoir envers nos chers téléspectateurs. L'émission a commencé aujourd'hui exceptionnellement avec 1 heure de retard. On s'en excuse parce que c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Exactement. Comme on dit, l'homme propose. Dieu dispose. Le dieu de la technique dispose. Et puis, vous savez que ce soir, il y a 50 nuances degrés. Hein, Rabia? Demandez spécifiquement par Rabia. Et donc, c'est une belle excuse aussi pour que les enfants aillent dormir ce film, n'est-ce pas? Et je vois que le symbole du ruban rose est bien respecté ce soir sur ce plateau, les filles. Totalement. C'est important. Très important. Alors, ce symbole a une double signification pour nous, déjà parce que c'est un devoir en tant que média d'informer et de sensibiliser contre le cancer du sein durant ce mois rose, mais c'est aussi et surtout parce que dans notre équipe, on compte une héroïne la personne de Frédéric qui a combattu et qui a renversé, qui a battu le cancer du sein. Frédéric, tu voudrais partager ton expérience avec nous en quelques minutes sur ce plateau? Oui. Je disais non. J'avais vraiment envie de faire un témoignage parce qu'il y a une phrase que j'avais vue quelque part qui me plaisait beaucoup. On dit plus on parle du cancer, plus on le fait reculer. D'accord. Et effectivement, j'ai eu un cancer du sein agressif il y a 4 ans. Et quand je l'ai appris, quand j'ai regardé sur Internet ou quand je me suis renseignée autour, j'avais rien trouvé de positif pour me donner l'impression que ça allait bien se passer. Mm-hmm. Voilà. Te donner de l'espoir. De donner de l'espoir, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, si ça se passe bien, et visiblement, ça se passe bien, je ferai le témoignage. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui. Parce que Frédéric, quand on t'annonce ton cancer, on te dit que tu as vraiment très, très, très peu de chances de survivre. Quand on m'annonce, c'est au stade hyper agressif. C'est très rapide, en fait. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre... Dans notre entourage. La dernière fois, on en discutait. Dans une salle, il y a toujours quelqu'un, soit qui a été confronté à ça directement, ou un ami. Dans ce cas-là, c'était totalement imprévisible. C'était une boule que mon conjoint, mon mari, a sentie. Mmh. Et puis, du coup, on a cherché à savoir ce que c'était... Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, le dépistage précoce, parce que j'ai vraiment pris ça à la légère. J'ai vraiment eu la sensation au début que c'était rien. Je ne sais pas si c'était moi qui avais voulu prendre de la distance par rapport à ça ou si c'était... Un déni, voilà. Donc, ça a été le cas, ça a été le déni. J'ai fait traîner un peu les choses pour aller faire les tests et tout ça. Mm-hmm. Et puis, au final, je me suis retrouvée à avoir un protocole... chimiothérapie, ablation, radiothérapie. Combien de temps on t'avait donné? C'est quelque chose qui est... Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quelque chose qui est très symbolique. Je pense que ça, chaque fois que les femmes elles sont face à ça, on te débite pas mal d'informations. Mm-hmm. Tu ne comprends pas. C'est nouveau. C'est nouveau. Tu as cette distance qui te permet de dire... OK, on parle d'un cancer, je ne sais pas trop ce que c'est, cette maladie. Quand je regarde la télé ou je regarde autour de moi, c'est quelque chose qui est tout de suite assimilé à la mort. Mm-hmm.
Et puis, j'ai découvert aussi, en plus, en Côte d'Ivoire, que c'était quelque chose qui était rempli de tabous. Les gens ont l'impression que c'est une maladie qui peut être contagieuse. Il y a des personnes, beaucoup de gens pensent ça. Par ignorance, que c'est après tous les trucs, voilà, flou artistique autour de ça, maraboutage, etc. Enfin, voilà. C'est une maladie. Et chaque fois que j'en parle, je dis qu'il faut vraiment lui donner sa place, c'est-à-dire une maladie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire le témoignage vivante de ça, en se disant, ben voilà, écoutez, vous pouvez traverser à n'importe quel stade de la maladie, donc stade 1 jusqu'à stade 4, cette maladie, et vous aurez besoin de certainement votre traitement. C'est important, je le dis aussi, parce que c'est beaucoup de gens... C'est un traitement qui est long ? C'est un traitement qui est long selon le stade de la maladie. D'accord. Voilà, donc plus on avance... Et le tien, il a duré combien de temps ? Alors moi... C'était très spécial parce qu'au départ, j'ai fait deux chimios. Troisième chimio, ça n'allait plus du tout. Donc, j'ai annoncé à l'oncologue que je ne pouvais plus faire la chimio qui suit. Et donc, il a précipité des tests pour voir où ça en était, les nodules qui étaient à l'intérieur de mon corps. Donc, les fameuses boules. Et quand il a fait ça, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Et ce qui fait d'ailleurs que je suis un cas clinique à l'Institut Curie de Paris. D'accord. Et quand ils ont vu ça, tout de suite, ils sont passés à l'étape supérieure, c'est-à-dire la mastectomie, donc ce qu'on appelle l'ablation. Ouais. Et après, j'ai fait une radiothérapie et une reconstruction. Donc, c'est long. Pour moi, j'ai trouvé ça très court, finalement, parce que, étant donné que le diagnostic de départ et le protocole étaient partis pour être quelque chose d'interminable, c'était court et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'être très bien entourée. Donc par la famille, par ton mari. Par mon mari, par ma mère, par mes frères et sœurs, par beaucoup de gens. Et des inconnus aussi, des gens que j'ai rencontrés comme ça sur le chemin et qui finalement m'ont donné beaucoup d'amour. Et je pense que ce qui m'a donné la force aussi, c'est de pouvoir dire, oui, voilà, j'ai cette maladie, je ne cachais pas. J'ai porté mon crâne rasé pendant tout le temps. Et pas parce que je voulais revendiquer quelque chose, j'étais pas à l'aise avec perruque, etc. Et puis du coup, j'étais vraiment consciente, et c'est très important, d'être consciente de sa maladie, de ce que ça engendre, et de laisser aussi les autres pouvoir rentrer dans votre vie et vous aider. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai... Qu'est-ce que tu peux dire, toi, en tant que survivante, j'ai envie de dire, en tant qu'héroïne contre le cancer du sein. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à toutes ces personnes malades en ce moment et qui nous regardent ? Que, ben vous me voyez, hein. ça peut fonctionner, ça va fonctionner. Ça va être votre corps, mais votre corps, il est lié à votre esprit. Et votre esprit, s'il n'est pas positif, s'il n'est pas rempli d'amour, s'il n'est pas... Vraiment, ça a l'air d'être très dingue comme ça, mais moi, je pense réellement que c'est le mental qui m'a sauvée, parce que c'est pas la science. Et ce mental-là, il faut se le construire. C'est vraiment un état où tout le monde autour de vous vous envoie de l'amour. Et les médecins essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et il n'y a que vous qui puissiez être capable de guérir. Donc, c'est quand même une prise de conscience très personnelle. J'ai envie de dire, voilà, battez-vous, c'est possible. Voilà, j'ai mes cheveux. Ils ont bien poussé, normalement. Elle a son afro. J'ai mon afro, j'ai mes boobs sur commande. Non, vraiment, il faut y mettre de l'énergie. Et puis, il ne faut vraiment pas lui donner ce rang de quelque chose d'exceptionnel. C'est une maladie. Il ne faut pas se dire que la vie, c'est fini. Voilà, ce n'est pas une identité, c'est une maladie. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris. Et je remercie beaucoup aujourd'hui la chaîne et vous de me donner la possibilité de... donner ce truc positif-là aux femmes. Rappelons que la Côte d'Ivoire s'est dotée en 2015 de son tout premier centre de sénologie situé au CHU de Trècheville, une unité qui dispose d'appareils de dernière génération et qui constitue une réponse du gouvernement à la problématique du cancer du sein, le premier cancer chez la femme avec un taux de mortalité élevé et des milliers de nouveaux cas chaque année. L'objectif étant donc de réduire la mortalité liée à cette pathologie par un diagnostic précoce et améliorer la prise en charge globale du cancer du sein, curable à 90%, c'est ce qui est important de souligner, sans recours à l'ablation de la mamelle, quand c'est vite détecté. Exactement. Je voudrais juste rajouter, si tu me permets, Connie, que c'est quand même la première cause de mortalité chez les femmes en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère. Il y a 10 000 femmes qui meurent chaque année de cette maladie, donc voilà. Le dépistage précoce, c'est important. Voilà, l'autopalpation. L'autopalpation. Voilà. Sinon, on a un stade très élevé, effectivement. Et là, le traitement, plus on attend, plus il s'alourdit et plus ça devient compliqué.
Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage. Merci les filles pour votre écoute. Ce soir, dans le Life Weekend, notre invité de la semaine, l'ancien footballeur international ivoirien Emmanuel Eboué, viendra se livrer et sans filtre. Et bien sûr, il y aura aussi le confessionnal, le top des réseaux sociaux, la boîte à défis, les plans du week-end et le Zap TV. Et il ne faut pas croire, hein, on parle de cancer, de moire rose, de ruban rose et tout ça, mais on reste toujours en sombrelele. C'est important. Voici le dossier de la semaine. C'est un fait divers qui s'est déroulé à Abobo, à Nador, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre. Une jeune fille de 14 ans, mariée de force, a mortellement poignardé son concubin. Sophie, que s'est-il réellement passé ? Alors, selon les explications de la petite Mariam Traoré, donc comme tu as dit tout à l'heure, âgée de 14 ans, son concubin, qu'elle a été obligée d'épouser de force, la battait continuellement dans ce mariage et la forçait à avoir des rapports sexuels. Donc, n'en pouvant plus, la nuit du drame, elle s'est réfugiée dans la cuisine, histoire d'avoir un peu de répit. Donc, son conjoint l'a rejoint et a essayé encore de la forcer à avoir des rapports. Elle l'a refusé, il a commencé à la frapper. Et ce qui, en fait, l'a poussé à prendre un couteau et à essayer de se défendre. Et malheureusement, il en est décédé. Alors, il est important quand même de souligner que cette jeune fille s'en est plainte. Elle en a parlé à sa famille, elle en a parlé à la famille de son mari, mais jamais personne n'a bronché, jamais personne n'a pris sa défense. On lui a, en gros, on l'a laissée dans le mariage dans lequel elle était. Et donc aujourd'hui, selon des informations reçues des deux avocates de la petite, elle venait tout juste de rentrer dans ce mariage parce qu'elle était forcée à l'épouser en septembre. Elles vont tout faire. Il y a quelques semaines, début septembre. Donc elles vont faire de leur mieux, je pense, pour pouvoir en tout cas défendre cette jeune fille. Et justement, tu en parles, donc deux avocates, hein, dont Maître Leroux, qui était d'ailleurs sur notre plateau première émission, je ne sais pas si vous en rappelez, donc qui ont décidé de se constituer en partie de défense. Pour plaider la cause de Mariam. C'était à la suite du communiqué de la police. Elle était accompagnée de maître Jessica Nanou, donc également maître Vanessa Balourou, qui se sont constituées et ont entrepris des démarches auprès du procureur de la République et de ses services. On n'a malheureusement pas encore de détails sur la situation, l'avancée de tout cela, parce que les avocates, bien sûr, maintiennent le silence, parce qu'il s'agit d'une enquête en cours. Mais selon nos informations, les informations qu'on a pu avoir sur le terrain, a priori, la petite n'est pas incarcérée, mais elle a été confiée plutôt au service de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. D'accord. Voilà, donc on le sait en matière donc elle n'est pas au commissariat, elle n'est pas en prison. Oui, en matière pénale, en fait, les procédures sont différentes selon que la procédure concerne un majeur ou un mineur. Voilà. D'accord. Donc, il faut également rappeler que la loi de 2019 sur le mariage est formelle. Il est interdit le mariage avec des mineurs, entre mineur ou un adulte, ou entre mineurs. Tu n'as pas 18 ans, tu ne te maries pas. C'est la loi ivoirienne qui le dit. Non seulement ça, mais le mariage forcé aussi est interdit. Voilà. Et il y a une jurisprudence aussi. Oui, effectivement. En fait, ce n'est pas la première fois qu'un tel cas se produit en Côte d'Ivoire, il y a quelques années. L'ex-ministre de la famille, Madame Constance Yahi, a vraiment lutté, œuvré pour la libération d'une jeune fille du nom de Fanta Keïta, qui avait été incarcérée pour des faits similaires à celle de la petite Maria. Qui avait tué aussi son mari, son conjoint. Elle a fini par tuer son conjoint. Donc on a eu sur la toile différentes personnes qui se sont prononcées sur la question. Donc pour la plupart qui naturellement soutiennent la petite Maria, non, elle ne doit pas aller en prison, elle ne doit pas finir en prison. Et il y a un petit détail qui m'a plu avec Laetitia Ki, dont on a parlé plusieurs fois sur ce plateau, qui fait partie de la Ligue ivoirienne des droits de la femme. Elle a fait une magnifique photo, comme elle le fait si bien. Non pas, elle s'est exprimée sur la question, certes, mais elle a fait une petite structure là avec ses cheveux où on voit, en fait, on comprend distinctement qu'elle représente la petite Mariam qui tient un couteau avec du sang qui dégouline. Et il y a un petit détail sur la photo qui est très intéressant. On voit que de l'autre main, elle tient un petit nounours, comme pour dire qu'elle n'a pas fini de grandir. Elle n'a pas fini de grandir. Elle est censée avoir un doudou et non un époux. C'est ça, et non un couteau aussi, parce que bon, j'imagine que la famille du marié doit être consternée par cette histoire aussi, il faut qu'on en parle.
et dire que justement la Ligue ivoirienne des droits de la femme, je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit. Mais ce que je veux comprendre, c'est s'ils sont consternés par rapport à ça, ils ne sont pas consternés par le fait que leur proche épouse une enfant. Et sa famille à lui et la famille de la fille aussi qui est responsable, qui n'a rien fait. On ne le dit pas, mais en Côte d'Ivoire, ça se fait encore. Et c'est culturel. Il y a, oui, en Côte d'Ivoire, ça se fait. Il y a d'ailleurs une enquête du Fonds des Nations Unies pour l'enfance de l'UNICEF qui a révélé qu'en 2016, tenez-vous bien, dans l'Ouest ivoirien, 58% de filles de moins de 15 ans sont déjà en union, suivies du Sud-Ouest, dont le taux est de 53%, et au Nord-Ouest avec 52%. Ça signifie que plus de 4 filles sur 10 sont déjà en couple ou mariées avant leurs 15 ans. Quoi. Ça tombe bien que tu donnes ces chiffres, parce qu'on parle de mariage forcé, mais il y a des mineurs qui sont mariés et qui le font volontairement. Mais là, il s'agit de quoi ? C'est un travail psychologique qui a été fait. Tu es une femme, tu es née pour te marier et tout. Donc, ce n'est pas seulement forcé. Il faut juste retenir qu'il ne faut surtout pas marier des mineurs. En fait, c'est interdit qu'elles soient aptes ou non. Voilà. Je parlais de la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui a saisi la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour une prise en charge de cette petite fille qui est atteinte aussi psychologiquement. C'est vrai qu'elle a subi des abus sexuels de la part de son mari. Et des violences physiques. Aussi psychologiques. Et c'est là que c'est compliqué. J'imagine qu'elle va vivre toute sa vie avec ces images horribles de se retrouver aujourd'hui criminelle, si je peux le signaler comme ça, le signifier comme ça. C'est pour ça qu'elles ont tenu malgré à faire ce communiqué en fait, qui retrace, qui relate les faits pour qu'elles se souviennent qu'elles n'est pas responsable et que ça reste gravé en fait. Bah, c'est pas un cas isolé. Hein. Tu parlais de l'affaire qui avait conduit à la jurisprudence, mais c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, l'histoire de mariage forcé ou même les histoires de violence de femmes sur le mari par pure défense, j'ai envie de dire. Enfin, moi, cette histoire m'évoque autre chose, mais j'aimerais juste rebondir sur le fait que tu aies dit qu'il y avait une réponse assez culturelle. Et beaucoup de gens aussi ont des préjugés par rapport, et indexent l'islam par rapport au fait que voilà, l'islam autoriserait des mariages forcés. Moi, j'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui. L'islam, au contraire, encourage les mariages, disons, consentis. Par le fait que la dot en islam doit être acceptée par l'épouse en main propre. Et du coup, si elle refuse, on ne la donne pas en mariage. Et cette procédure a été établie justement pour être sûre que la femme veut se marier. Voilà, ça, c'était quelque chose que j'avais envie de partager. Pour faire la différence entre l'islam et l'islam syncrétique. Voilà. Les gens ont tendance à mélanger les cultures. Oui, exactement. Et moi, ce que ça m'a évoqué, cette histoire, ça m'a rappelé l'histoire d'une certaine Jacqueline Sauvage. Je ne sais pas si vous l'aviez suivie. Elle a été graciée elle a été graciée en 2016 par François Hollande. Et Jacqueline Sauvage, ça a été une femme qui a été violentée dans son mariage pendant 40 ans et qui a fini par tuer son mari, qui a été emprisonnée pour 10 ans en cour d'assises. Et après son emprisonnement, en fait, il y a eu une sorte d'indignation. Et c'est en fait ça, le côté intéressant de cette affaire, c'est quand on voit que la société se met derrière la femme et la soutient malgré tout. Et voilà, finalement, elle a été graciée au début de manière partielle. La justice a refusé de lui accorder une liberté provisoire. Et finalement, c'est parti. François Hollande l'a graciée totalement. C'est devenu une affaire politique, finalement. Et elle est devenue une icône aujourd'hui. Elle est décédée, malheureusement, en juillet 2020, il y a à peu près 3 mois. Et voilà, cette affaire est d'une tristesse extraordinaire. En tout cas, on va suivre... vu que nous sommes en contact aussi avec Maître Balleroux, on va suivre cette affaire vous faire le point au fur et à mesure, en espérant évidemment que pour la petite Mariam, l'issue soit beaucoup plus agréable. Quoique le point au fur et à mesure, ça ne sera pas possible, mais elle pourra venir nous dire quand la situation en saura le verdict. Dès qu'on a une petite info là-dessus, on la partage avec vous, ça c'est sûr. Dans la suite du live, c'est pas facile, vraiment. Et c'était la première partie consacrée à ces choses pour nous très très importantes. Il fallait revenir là-dessus parce que, je le disais en début d'émission, c'est un devoir. Donc, dans la suite du live week-end, notre invité de la semaine, l'ancien footballeur international ivoirien Emmanuel Eboué, viendra se livrer sans filtre. Et bien sûr, il passera par notre inéluctable confessionnal avant de découvrir son défi. Il y aura aussi le top des réseaux sociaux, les plus
plan du week-end. Et le Zap TV, toujours en... Soumbrelle. Ah, enfin. À tout de suite. C'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens des années 2000-2010. Il était surnommé l'intrépide, celui qui n'a peur de rien. Pur produit du centre de l'Académie de Solbeni, il atterrit à Arsenal au Mercato d'hiver 2004 où il fait ses preuves. En 2016, il connaît la pire période de sa carrière, voire de sa vie. Aujourd'hui, il se reconstruit et c'est avec sa bonne humeur légendaire qui nous rejoint sur le plateau du Life Weekend. L'ancien footballeur international ivoirien Emmanuel Eboué est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir. Bonsoir Emmanuel. C'est sapé. Comment ça va? Super bien, pour la grâce de Dieu, je me porte très bien, ça va. Ça va, ouais. Et Emmanuel dit qu'il est sapé. Hein. Lui-même. Hein. Non mais il est tout beau, c'est vrai. Et puis merci pour le clin d'œil avec le ruban rose. Hein. Ouais. J'avais pas vu. Hein. Je le disais tout à l'heure, donc bout en train, hein, il paraît que quand ça va pas dans l'équipe, au sein de l'équipe nationale, quand les morales, le moral est bas, les moraux, quand le moral est bas, celui qui intervient en Superman pour mettre de l'ambiance et tout ça, c'est bien toi, Emmanuel. Hein. Ah oui, c'est bien moi. Bon, d'abord, comme j'ai dit toujours, moi, avant de répondre, avant de parler à répondre à une question, ouais. Je rends toujours gloire à Dieu. Mm-hmm. Je dis merci parce que je pense que c'est un don que Dieu m'a donné. Mm-hmm. Le fait de toujours apporter l'amour, la joie, la gaieté partout où je suis, je pense que c'est le bon Dieu qui m'a donné cette chose-là. Il se fiait de toujours apporter l'amour tant mieux, partout où je suis. N'est-ce pas? Alors, Emmanuel, pour commencer, ce qu'on va faire, on va faire un tour de table avec les filles. On va s'arrêter sur des années, on va dire, importantes pour toi, dans ta vie, dans ta carrière. Et on va commencer par Esther. Alors, Emmanuel, je vous tutoie. Wow. Ça dépend de vous. On fait au feeling. D'accord. Alors, moi, l'année qui m'a intéressée, c'est 2004, parce que c'est celle-là même où tu intègres le célébrissime club anglais Arsenal, mm-hmm. avec lequel tu passes la majeure partie de ta carrière. Mais aussi, il y a eu un long parcours avant cela. Tu as été formé à l'ASEC Mimosa. C'est même en 1998 que tu as rejoint l'académie, c'est bien cela. Et directement la Belgique, voilà, on monte dans l'avion et on entre au Beveren, c'est bien cela? C'est ça. Oui. En 2002 jusqu'à fin 2004. Mais encore, il faut dire, hein, la vérité, c'est que tout le monde, hein, tous les férus de football connaissent déjà ton parcours. C'est vrai. Et voilà, ils en connaissent chaque rebondissement même, il faut dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils connaissent moins ton actualité. En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans ta vie depuis que tu n'es plus joueur de football? Quels sont tes projets? Quelle est la suite pour Emmanuel Eboué? La suite programmée par Emmanuel Eboué. Parce d'abord. Que c'est vrai que la vie programme aussi certaines choses inattendues. C'est pour ça, d'où la précision. D'abord, je vous dis merci. Je rends grâce à Dieu, comme je dis toujours. Je vous dis merci de m'avoir invité ici. Et d'expliquer beaucoup de choses à mon pays. Oui. Beaucoup de choses à mes fans. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là. Bon, aujourd'hui, Emmanuel Eboué, bon, j'ai laissé le foot, j'ai arrêté de jouer, mais par contre, je continue toujours dans le foot. Je suis là aujourd'hui pour aider nos jeunes frères, mm-hmm. pour apporter mon savoir. J'ai été aidé. Aujourd'hui, si on parle d'Eboué Emmanuel, c'est grâce à Dieu et grâce à Jean-Marc Guillaume, mm-hmm. parce qu'il m'a aidé. Donc, de l'académie. L'académie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer au pays et d'apporter mon savoir aux jeunes frères. Mm-hmm. Tu es le nouveau Jean-Marc, tu veux devenir le franchement, nouveau Jean-Marc. Franchement, c'est mon souhait. Mais quelles sont les d'accord. actions qui sont faites dans ce but-là? Bon, actuellement, bon, comme j'ai dit, le nom de mon centre que j'ai créé, c'est EEFC. D'accord. Emmanuel Eboué Football Club. Et je l'ai créé l'année passée. Mm-hmm. Et comme j'ai dit... Là où beaucoup de gens pensaient que tu étais normalement, je ne sais plus dans quel pays, en train de faire des formations, non, au fait, je me déplaçais beaucoup. J'étais beaucoup en Angleterre et en Turquie. Et je partais aussi aider l'équipe réserve turque de Galatasaray. Okay. Mais là, moi, où tu as joué d'ailleurs. Où j'ai joué. Donc là, j'ai décidé de rentrer au pays et de venir aider mes jeunes frères. Okay. Donc là, depuis l'année passée, en juillet passé, j'ai commencé à faire des recrutements à l'intérieur du pays. Je suis allé dans beaucoup de villes.
Et j'ai fait des recrutements. Et... Donc, c'est un centre de recrutement et un centre de formation. Formation, c'est ça. D'accord. Et là, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc, je suis revenu à Abidjan pour terminer les recrutements aussi à Abidjan. Et tout s'est bien passé. La semaine passée, on a commencé la semaine passée, c'est-à-dire du 23 au 25. Mm-hmm. C'était au stade de Vrédy, non? Oui, c'est ça. Okay. Et tout s'est très bien passé. Bon, tant mieux, il a le sourire, hein, je vous dis. Sophie. Alors, Emmanuel, j'aimerais parler d'une étape de ta vie que j'appellerais de la richesse à la misère. Et l'année, c'est 2017. Une année où tu annonces au Sunday Mirror, un journal anglais, que tu es pauvre et sans abri. Une situation qui est la résultante d'une succession de mauvaises décisions, permets-moi l'expression, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. En 2013, tu es condamné par la FIFA à verser à ton agent alors de l'époque, Sébastien Boisseau, une somme prévue dans le contrat qui vous liait. Cette somme, tu ne l'as finalement pas versée, ce qui t'a conduit à une suspension par la commission de discipline de la FIFA. Et puis, tu l'as dit toi-même, tu as fait de mauvais investissements et de mauvais placements qui étaient sous le contrôle de ton ex-femme. Alors, quand on sait que plusieurs jeunes prennent les sportifs de haut niveau comme exemple, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à l'époque qui t'aurait permis d'éviter cet épisode malheureux de ta vie? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise pour te préparer à ça? D'abord, vous savez, quand tu quittes le pays pour aller en Europe, pour aller jouer. D'abord, tu vas, tu es tout content, tu t'en vas, tu joues et les moi, étoiles plein les yeux. J'ai commencé d'abord en Belgique et en Belgique, c'est Jean-Marc Guillaume qui nous suivait, qui était là-bas avec nous. Parce que le club en Belgique était le club parent. Parent, en tout cas. De l'Académie. De l'Académie. Oh, oui, pas de la SEC. D'accord. Et quand nous sommes arrivés là-bas, bon, nous, on n'avait pas de problème parce qu'on avait Jean-Marc Guillaume en tant que père. Vous étiez bien encadré. Et il n'y avait pas de problème avec lui. Et en 2004, quand je suis allé en Angleterre, pareil, il y avait un autre coach qui s'appelait Régis, d'accord, qui était à l'académie, c'est avec nous. Mais lui, il était chargé de nous envoyer dans d'autres pays, à part la Belgique. Donc, d'ailleurs, tu n'étais pas le seul Arsenal. Hein. Non. J'avais trouvé Kolo Touré là-bas. Voilà, Kolo aussi. D'accord. Était. Kolo Touré, je l'avais trouvé là-bas et j'étais le seul. À partir. Et quand je suis allé en 2004, c'était bien. Moi, je n'ai pas de problème. Et après ça, j'ai croisé ces deux frères qu'on appelle Boisseau, c'est les frères Pascal et Sébastien. On a signé le contrat, il n'y a pas de problème, on a signé le contrat. Et c'est dans le contrat que nous avons signé, ils avaient mis une clause. Et cette clause, même étant footballeur, tu ne peux pas savoir. C'est-à-dire quoi déjà cette clause? Ils expliquent ça de la manière que nous connaissons encore. Voilà, on allait comprendre facilement. C'est-à-dire ils ont les thèmes qu'ils emploient. Oui. Le contrat. Et moi, franchement, pour être honnête, au fait, le contrat, ils ont dit, même si tu n'es plus avec tes agents, oui, 6 mois avant, si tu as trouvé un club sans que tes agents ne soient... Je sois présent, tu es obligé de leur verser de l'argent. D'accord. Une sorte d'indemnisation? Ils ont un thème qu'ils emploient. Que franchement, ce thème-là, okay, tu ne l'avais pas compris du tout. Au fait, moi, il n'y avait pas de problème. Et quand en 2011, je devais aller en Turquie, à Galatasaray. Ouais. Et je les ai appelés, je leur ai dit que j'avais vraiment besoin d'eux, qu'ils viennent pour qu'on puisse discuter, pour qu'ils puissent me trouver un club. Donc, quand je les ai appelés, ils ont refusé. Ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils devaient envoyer Gervinho à Arsenal. D'accord, ok. Gervinho à Arsenal. Donc, eux, pour moi, ils sont concentrés sur Gervinho que moi, d'attendre. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et dans la loi de la FIFA, on dit, si tu as un contrat avec un agent, si tu restes 6 mois, tu as le plein droit. En tant que joueur, tu as le plein droit de chercher un autre club. Toi-même, un club, d'accord. Un autre, ouais, sans rien leur devoir. Donc, moi, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un club en Turquie parce que ce n'est pas venu m'aider. Tout seul ou avec un autre agent? Non, tout seul. C'est-à-dire, le coach de Galatasaray, c'est l'ami à Arsène Wenger. D'accord. Donc, okay, les deux se sont entendus et moi, je suis allé. Et quand je suis allé, je partais, je ne connaissais rien. Donc, j'avais appelé un ami qui est en Angleterre, qui s'appelle Pascal Agbadou. Donc, lui... Il avait pour ami Francis Kakou, qui est aujourd'hui qui est un agent
Ivan, que beaucoup d'hommes le connaissent ici. Donc, au fait, pour être honnête, c'est ce dernier Francis Kapou qui m'a mis dans ce problème. Ah. Parce que moi, je lui avais donné de l'argent. D'accord. Pour commander, pour suivre le dossier. Le dossier. Mm-hmm. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait voulu que moi, je sois son joueur. Et moi, je lui ai dit non, que moi, je ne peux pas être ton joueur. Okay. Tu es un grand frère, je ne peux pas être ton joueur. Nous sommes des amis. Mm-hmm. Et c'est fini. Et lui, comme on le dit, il avait gardé rancune contre moi. Et moi, il ne savait pas. Et par contre, le dossier, quand le dossier venait, le dossier n'allait pas au club. Le dossier allait directement chez Francis Kakou. Mm-hmm. Et lui, la FIFA, lui donnait des dates. Et moi, je ne savais pas. Moi, j'étais en train de jouer. Mm-hmm. Et après, j'ai reçu une lettre à la à Galatasaray pour dire que, bon, on t'avait envoyé des lettres et tu n'as pas répondu. Mm-hmm. Donc, du coup, comme tu n'as pas répondu, tu es censé verser 1 million d'euros. Ah ouais, les agents. D'accord. Ils sont assis chez eux à la maison en train de boire le café. Mm-hmm. Puis me quand même. Et tu n'as pas versé parce que tu n'avais pas à ce moment-là les moyens de le faire ou non, c'était vraiment parce que tu trouvais la situation injuste? Le moins, il y avait le moins. Mm-hmm. Mais c'est parce que j'ai trouvé ça injuste et je me suis dit, je préfère m'en arrêter là. Même si ça peut arrêter ma carrière, je préfère le faire. Et l'argent que j'ai, je préfère donner ça à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont travaillé. Et la sanction est tombée. Hein. Et au fait, le problème était quoi? Eux et moi, après les agents et moi, on s'est compris. Mm-hmm. Et ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème. On a signé mes papiers, ils ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je suis allé en Angleterre, j'ai signé à Sunderland. Je signe un mercredi. Je dois aller le jeudi pour aller présenter mon maillot au supporter. Mm-hmm. J'arrive au club avec mon fils et je reçois une enveloppe avec deux gardes de corps de la FIFA, mm-hmm, en costume qui m'intéressent d'entrer... Ah ouais. Au sein de, c'est au sein violent, de... ça. C'est violent, ce que j'ai dit. Donc, je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, le coach m'appelle, je monte dans le bureau du coach, et le coach me fait savoir que je n'ai pas le droit de rentrer sur le terrain, de rentrer mes commandes au centre. Mm-hmm. Je dis, ah bon. Donc, j'ai pris mes bagages, et je suis rentré. Et c'est en même temps, là, ils ont réalisé le contrat. Le contrat, wow. C'est tout. Wow, et ça, c'était en 2016. Ouais. C'est fou, hein? Et... C'est fou. On va avec Frédéric, évoquer une autre date. Wow. Et je ne suis pas très sûre qu'elle soit plus heureuse. Oui, ah si, bon, quand même. Enfin, peut-être intense, parce qu'il s'agit de 2014-2015, donc vous avez été élevée par votre grand-mère. Oui, oui. Et donc, en 2014-2015, vous passez du temps avec votre mère biologique, que vous avez déjà vue quelques années avant. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça? Bon. Quand je parle de ça, comme on le dit, j'ai lâché de poule parce que j'ai pas été élevé par ma mère. Mm-hmm. J'ai été élevé par ma grand-mère paternelle. Et moi, quand je partais en Angleterre, moi, pour moi, je pensais que ma mère était décédée. Mm-hmm. Parce que personne ne parlait de ma mère, tout ça. Et j'arrive en Angleterre. En 2005, je viens en vacances pour voir la famille et je vois... Une dame qui a 6 heures. Tu peux avoir un mouchoir pour mon invité, s'il vous plaît. Ah, merci. Je vois une dame qui a 6 heures, qui est assise en face de moi. Et quand je vois la dame, je dis, attends, mais elle là, on se ressent. On se ressent. Wow. Non, sérieux. Oui, c'était en 2005. Il dit, mais attends, on se ressent. Elle était là avec ses deux sœurs. Et je me lève, je vais dans la cour, et je demande à l'une de mes cousines, elle dit, mais attends, la dame là, elle se ressemble. Et elle savait que c'était ma mère, mais elle n'osait pas me dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne te dit pas qui est ta maman? Franchement, moi à la fin, j'ai... Bon, franchement, je ne sais pas. Et en 2005, quand c'est vu, quand ils m'ont dit que c'est ma mère, on a commencé à pleurer. Bah oui, c'est bouleversant ça d'apprendre ce genre de nouvelles comme ça et de cette façon. Après, là, quand je suis retourné en club en 2005, et le monde, nous sommes perdus de vue. On n'avait plus de contact, on ne s'appelait plus jusqu'en 2014. Je suis en Turquie et on m'appelle pour me dire que j'ai ma mère qui est malade. Elle dit, ah bon? Donc, je paye les billets d'avion et les billets pour mon grand frère pour qu'il vienne en Turquie pour se faire soigner. Donc, c'est ainsi que j'ai passé deux mois avec elle. Et après, quand elle est revenue à Abidjan, on s'est encore perdu de vue. Waouh! Mais comment ça se fait? Franchement, parce que j'ai été abandonné quand j'avais 3 mois. Wow.
D'accord. Elle vous a abandonné ou on lui a interdit bon, de moi, vous non, voir. Moi, je n'ai pas essayé de demander, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Non. Il y a une espèce de pudeur autour de ce genre d'affaires, de personnes qui ne viennent pas donner la vraie version des faits et de lui aussi qui a du mal à aller chercher la vérité. Peut-être parce qu'elle est violente ou pas, mais, mais en tout cas, moi, il y a une date sur laquelle... Vous êtes revue depuis ? Non, juste au téléphone. Ah, oh, ok, quand même. Aujourd'hui, elle est avec son mari. Mm-hmm. Et chaque jour, je l'appelle. D'accord, mais il faut vous voir. Voilà, franchement, quand je l'appelle, je lui dis toujours que, maman, franchement, j'ai besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, quand je vais chez mes amis, je vois que mes amis sont avec le maman, ça me fait plaisir. Et moi, franchement, ça me fera plaisir que tu viennes aussi passer quelques jours avec moi. Du coup, elle est en Côte d'Ivoire. Oui, elle est à Nancy. D'accord. Si tu sais où elle est, il faut aller la voir. En fait, j'avais une dernière date, moi. Je voulais quand même rentrer dans le game avec vous. Et la date en question, c'est 2002. Tu pars en Belgique. C'est même pas le fait que tu partes en Belgique qui fait que je retiens cette date. C'est la première fois que tu montes dans l'avion. J'imagine que c'était une journée épique, Emmanuel. Ah oui. Est-ce que tu as une petite histoire de Gaou à me raconter? S'il te plaît. Non, d'abord, quand je suis arrivé, il faisait très froid. Et nous étions trois. Il y avait moi, il y avait deux de mes amis. Et... ils nous ont pas dit de bien s'habiller. Non, donc, déjà. Donc, comme aller, moi j'avais mon pantacou avec un pantacou, avec un débardeur en plus. S'il te plaît, genre. Et on arrive en Belgique. Il fait froid. Il fait froid. Mais comment ça? En Belgique. Non, il fait pas froid. Non. Il n'est pas censé faire froid. Et celui qui devait venir chercher, il était en retard. Aïe. Donc, ce moment-là, depuis, on l'a dit, oh. Et on était obligé d'attendre. Et quand il est venu avec les manteaux pour nous donner. Premier Gaou en Belgique. Ça va, vous étiez dans l'aéroport. Ça va. Non, non, t'es dehors. Non, tu sais, quand tu arrives là, tu veux sortir. Ah, d'accord. Il voulait valider le lieu. On va poursuivre cette interview, mais tu vas rejoindre notre fauteuil bleu. Comme toi-même, tu es en bleu, tu es bien sapé ce soir. Tu vas juste aller t'asseoir là-bas, où il y a le fauteuil bleu. Et puis moi, je vais te rejoindre dans quelques instants seulement. Ouais, le fauteuil bleu. Fauteuil bleu, je te dis, c'est ce qui est juste à... C'est pas noir. Non, c'est un bleu. Vas-y, danse. Bleu marine. C'est fou quand même. Allez. Voilà, pendant que Emmanuel s'installe, nous, on va se regarder une vidéo d'une chanson qu'il aime beaucoup parce que c'est un fanat de musique. Et voilà. Joli, hein. Allez, c'est parti. Meuble gay, ça me succès. Ensemble, on a un nom. Oh, allez, yo. Son peu de weed, mon gars. Ma casse au là, ça c'est du écouté. Et à son Jacques Capien. Gouverneur de fois Lyon. Ma baille, cabrou, le ica est moi, oh. Patron tapé, il casse au cas et moi. Belle pile à ranger à terre, cas et moi. Abaï Kabloué. Le Bitignon, Moussa Traoré, commissaire Loubé. Les pays de là, que tu vois, oh, son cas le son est gros. Moussi fait au quartier là, son cas le son est tigre. Façon il est sapé là, c'est un but de ses amis là, il bon. Ils ont goyi, ouais. La famille Revo. Tu as l'habitude d'attendre la nuit, tous les chats sont gris. C'est juste pour te dire que la nuit, tout le monde se ressemble. Y'en a qui portent la vie de la petite frère pour venir faire malin au quartier. Vois-tu des sociétés, ils prennent ça pour nous faire caisser. J'ai tant de souffrance au lieu de chercher à réaliser. Papa se met bien dans les maquis, les enfants m'aident de faire la maison. DJ Chris, son nom d'un micro, il se sent roi, il se sent chef. C'est quand il voit un agent là, c'est là son bas, c'est l'info. Oh, c'est où ça compte, dit que le gars là, son caleçon est gros. Moussi fait au quartier là, son caleçon est tigre. Oh, les voilà, il est là, dedans là, on connaît son modèle au pays. Ils ont go, 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 Gra
gâtés. Les problèmes sont remplis dans valise, mais ont toujours quelque chose à dire. Faut voler malheur au quartier. Vous avez reconnu Samy Succès, et ça c'était pour le plaisir de notre invité Emmanuel Eboué. Et comme pour tous nos invités, c'est pour Emmanuel Eboué l'heure de se livrer sans langue de bois dans notre confessionnal. Alors, Emmanuel Eboué, ça va? Super bien. Mais là, t'es concentré là du coup. Même, hein. Être porté au pinacle, vivre dans l'ivresse du succès, se sentir plus bas que terre. L'une de ces matinées de spleen résume plus que jamais la clarté de la complexité de ta vie sur terre, Emmanuel. Ta trajectoire a été bruyamment jalonnée de cette réalité qui nous rappelle à tous notre fragilité d'humain. Es-tu le seul responsable de ce qui a été cette partie passée de ta vie? Es-tu le seul architecte de ce que sera l'autre partie à venir de ta vie? L'incompréhensible a-t-elle complètement bouleversé ta compréhension de la vie? Aujourd'hui, es-tu un autre homme? Emmanuel Eboué, voici ton confessionnal. Énormément de choses ont été dites, soutenues ou pas d'ailleurs, par toi-même concernant ta situation financière après ton divorce. Oui ou non, Emmanuel Eboué, es-tu complètement ruiné? Non. Non? Non. D'où viennent toutes ces rumeurs alors? Du fait que tu aies perdu tous tes biens, toutes tes maisons? Vous savez, les gens en parlent. Les gens, ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai jamais dit que j'ai été ruiné. Jamais, jamais. Oui, effectivement. Ils ont donné tous les biens que j'ai en Europe à la mère de mes enfants. D'accord. Ils m'ont tout donné. Et j'ai eu mal. Au début, j'ai eu mal. Mais après, je me suis dit que c'est la mère de mes enfants. Donc, de toutes les façons, tout ce qu'elle a pris, quand elle va vendre, mes enfants vont manger. Mes enfants auront un toit pour dormir. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas ruiné. Donc, tout est bien en Europe, mais pas tout est bien dans leur intégralité. Oui. Ok. Quelle est ta part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé, Emmanuel? Bon, d'abord, moi, je dis toujours aux gens que c'est la mère de mes enfants. Mm-hmm. Donc, je lui ai tout confié. C'est elle qui gérait côté finance, qui gérait tout. Et je ne pouvais pas penser qu'elle pouvait, du jour au lendemain, partir avec tous les sous que j'avais mis de côté pour qu'on puisse faire notre futur avec ça. Est-ce qu'avec le recul, Emmanuel, tu regrettes vraiment aujourd'hui ce choix que tu as pu faire, justement de faire totalement, entièrement confiance en quelqu'un? Non, je ne regrette pas. Parce que moi je parle de moi personnellement. Quand tu maries une femme, quand tu fais des enfants avec une femme, tu lui fais confiance et tu ne penses pas le pire. Le plus important, c'est de faire ta vie avec elle. Je parle de moi. Mm-hmm. D'autres personnes, eux, ont les manières de fonctionner avec les femmes. Moi, je parle de moi. Moi, quand je suis avec une femme, je me consacre, je suis à fond en elle parce que je veux faire ma vie avec elle. Et comme j'ai dit, je ne pensais pas qu'un jour. Parce que le divorce, c'est pas moi qui ai demandé le divorce. C'est elle, mais c'est, pourquoi c'est... Du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête? Comme j'ai dit, elle est, pour être honnête, elle était montée par certaines personnes. D'accord. Que je connais bien, que j'ai pas envie de... Des gens proches de toi? Oui. Elle était montée, donc... voilà, il y a des noms que j'ai pas envie de dire. Mais aujourd'hui, pour être honnête avec vous, aujourd'hui, elle regrette d'avoir écouté ces personnes. Mmh. Elle veut revenir? Ben, je suis déjà mariée. Est-ce que tu penses, au regard de tout ce que tu as vécu, que la vie, à un moment donné, t'a sanctionné pour les mauvais choix que tu as faits? Le fait, par exemple, comme le racontent certaines personnes, d'avoir laissé abandonner ta femme de galère. Est-ce que tu penses que c'est un retour du bâton? Vous savez déjà, cette histoire, je ne sais pas d'où ça sort, franchement, parce que moi, je n'ai pas connu une fille de galère. Mm-hmm. Non, je n'ai pas parce connu. Parce que tu es allé très, très jeune, toi. J'ai allé très jeune en Belgique. En Europe, donc. Mm-hmm. Déjà, à l'académie, vous étiez bien traité. Fille de galère, je ne sais pas d'où ça quitte. Un jour, j'étais chez moi à la maison et on m'appelle pour me dire, mais ta go de galère, mais ta fille de galère, c'est avec elle que tu es aujourd'hui. Il dit, mais pff, non.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais pas, franchement, moi, celle avec qui je suis aujourd'hui, c'est pas, elle n'a jamais été ma go de galère, comme on le dit. Mais vous connaissez Stéphanie, bah, avec Stéphanie depuis longtemps, oui, quand même. Oui, on se connaissait depuis longtemps. Donc, on a fait des femmes de galère, je ne sais pas. Copine de go de galère, c'est pas d'où ça, d'où ça quitte. Donc, pour toi, ce n'est pas une punition de la vie, c'est pas... Comme je dis, c'est arrivé, c'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai souhaité et voilà, c'est arrivé. Emmanuel, est-ce que finalement, dans le milieu du foot, la solidarité affichée est vraiment avérée? Est-ce que tu as reçu de vrais soutiens de tes amis du foot pendant ta traversée du désert? Oui ou non? Non, j'ai pas reçu de soutien. Aucun, aucun soutien de mes amis. Quand je traversais ces moments difficiles, moi, je suis quelqu'un d'honnête. J'ai été abandonné par mes amis. Mm-hmm. J'ai pas reçu de coup de fil de mes amis. C'était seulement Oumar Kindri et Baki Kone. Mm-hmm. C'était les deux qui m'appelaient. Et quels sont tes rapports aujourd'hui avec tes anciens amis? Moi, comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu de problème avec un tel joueur. Tu peux même demander à n'importe qui, ils te diront. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été ouvert, j'ai toujours été gentil envers eux. Et franchement, ça m'a, pour être honnête avec toi, ça m'a beaucoup fait mal que mes amis m'aient abandonné sur ce plan. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est la vie? Oui, c'est la vie. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu n'as pas soutenu la candidature de Didier Drogba à la FIF? Et ces mêmes personnes disent que pendant les moments difficiles que tu as vécu, il était quand même assez présent. Moi, je soutiens le football ivoirien. Mm-hmm. Didier Drogba, c'est un collègue, c'est un frère. Au fait, les gens ils veulent créer des histoires entre Didier et nous. Nous, Didier, c'est nos camarades. Hein. Mm-hmm. Didier, on se voit, on s'appelle. Didier, on rigole ensemble. Sauf que tu ne le soutiens pas pour la FIF. Ça dépend de chaque... Chacun est libre de choisir celui qui veut. Mais ça ne veut pas dire que Didier, on ne l'aime pas. Mm-hmm. Non, Didier, nous, c'est moi, Didier. Et comme je dis toujours, qu'ils arrêtent de dire que Didier m'a aidé, Didier a payé quand je souffrais, quand j'avais des problèmes avec... C'est pas le cas? Mais c'est même pas le cas, franchement. Je suis déçu de l'entendre parce que c'est faux. C'est faux. Il n'a même pas été d'un soutien moral pour toi pendant la période difficile? Des coups de fil? C'est... Quand j'ai dit au début, personne ne m'a... Personne, à part personne Baki et Oumarik. Quelle est l'idée la plus sombre qui t'a traversé l'esprit quand tu étais au plus bas? D'abord, je ne pensais pas au suicide, non, d'abord. Tu n'as pas pensé au suicide? Jamais. Non, ok. Jamais, ok. Pour être honnête, j'étais atteint. J'étais vraiment atteint parce que, comme j'ai dit, j'avais juste besoin de soutien moral de mes coéquipiers pour pouvoir oublier tout. Parce que mes amis me connaissent très bien. Ils savent que Ebou, c'est quelqu'un qui aime rigoler, qui aime la joie. Et quand... Je suis atteint. Si je n'ai pas de collège, si je n'ai pas d'amis auprès de moi, tout devient noir. Tout devient noir. Mais comme j'ai dit, c'est la vie. La vie. Emmanuel Eboué, vrai ou faux, un pasteur du Ghana a participé à ta chute? Non, c'est... non, franchement, tu sais, je rends toujours gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Il y a des histoires... Tu as assis chez toi à la maison, ils sortent de nulle part, tu ne sais absolument pas. Donc, tu ne fréquentais pas de pasteur ghanéen? Non. Quand tu vas à l'église, tu vois, tu payes ta dîme, ou bien tu es à l'église, tu payes ton offrande, et puis après, tu sors chez toi à la maison. C'est ce que je faisais, mais je ne comprends pas pourquoi cette histoire, franchement, c'est pas donné. On dit qu'il t'a retourné le cerveau et tout ça, non? Moi, enfant de nouveau quartier. Quand tu souris à la vie aujourd'hui, Emmanuel Eboué, comment tu t'imagines dans 2 ou 3 ans? Je sais que le bon Dieu est en train d'opérer un miracle, encore un autre miracle dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, je me sens heureux. J'ai des personnes autour de moi qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui sont avec moi, qui, quand j'ai faim, je les appelle, ils me donnent à manger, quand je bois, je les appelle, ils me donnent
à boire. Et aujourd'hui, je pense que le bon Dieu est en train d'opérer un miracle dans ce projet qu'ils sont en train d'entreprendre dans mon pays. Emmanuel Eboué, merci beaucoup. Surtout, ne bougez pas, le Life Weekend revient dans quelques instants seulement avec la boîte à défis de Emmanuel Eboué, notre invité de la semaine. Il y aura aussi le top des réseaux sociaux, les plans du week-end des Queens, le Zap TV et tout ça en soumbrelelelelelé. À tout de suite. Didier Drogba, lauréat de l'Award 2020 du président de l'UEFA, Esther. Oui, les honneurs pour Didier Drogba. Il a hérité du prix du président de l'UEFA. C'est un trophée qui récompense en fait chaque année les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaire. D'accord. Donc, le président de l'UEFA n'a pas mâché ses mots pour justifier son choix. Et je vais me permettre de lire ses mots. D'accord. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ce n'est pas seulement un excellent joueur, il a toujours gardé le lien avec sa patrie. C'est un homme de bien et il mérite ce trophée. D'accord. Donc, c'est une première, faut le dire, c'est une première pour un joueur africain, un joueur non européen, faut le dire. Oh, wow. Voilà. Donc, c'est sans surprise que Didier Drogba a pu hériter de ce trophée-là. Ouais. Il a reçu son prix hier, non? Je crois, hier jeudi. Il a reçu son prix, c'est une icône, donc on peut être fier, on peut continuer. Et puis, go Drogba. Yeah, et puis, l'association des footballeurs ivoiriens, d'ailleurs, lui a présenté ses félicitations. Mais attention, hein, parce que la fille a présenté ses félicitations. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux pour lui, mais pas tout le monde. Moi, j'ai vu sur Internet, ça m'a trop fait rire. Il y a un journaliste, un ancien journaliste de Fraternité Matin qui s'appelle Martial Gourou, qui a taclé Didier Drogba. Oui, genre, j'ai lu ça. Genre, c'est pas le seul. Il y a Georges Weah qui, lui, est le seul Africain à avoir eu le ballon d'or, le vrai gros ballon d'or, qui est devenu président aujourd'hui. Il y a Samuel Eto'o, tout ça là, qui a deux personnes. Et qui diffuse l'information et l'étendue de la diffusion de l'information n'en est pas responsable, donc il fallait en parler. Il disait que qu'il était en manque, et je pense qu'il fait le parallèle aussi avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport aux élections présidentielles de la FIFA. Et donc, mais finalement, il a présenté ses excuses. Parce qu'on a trouvé qu'il allait un peu trop loin. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette distinction à Didier Drogba? Vous savez, moi, je connais très bien Didier Drogba. Et moi, d'abord, de un, j'ai pas suivi ça parce que hier, j'étais très loin dans la ville. Et bon, c'est ce matin que je l'ai vu avec son trophée. Vous savez, quand tu es un Africain, et que tu reçois ce genre de prix, la seule chose qu'on doit faire, c'est de le féliciter, c'est d'être heureux, c'est d'être content. Bien même sûr. Même parmi nous, il y a d'autres qui... Moi, j'aime la vérité. J'aime ce qui est vrai. Même si parmi nous, il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents, mais il a gagné. Qui tu connais qui n'est pas content? Je ne suis pas content. Mais... À part le journaliste. Tout ceci n'a rien à voir comme j'ai dit, ça n'a absolument rien à voir. Il a gagné. Ouais. On le félicite. C'est notre frère qui a gagné. On le félicite. Même si, c'est pas, même si on doit aller même boire au moins deux bouteilles d'eau glacée. Toutes les occasions sont bonnes pour faire la deux bouteilles d'eau glacée, ça passe pas mauvais. Quoi. En tout cas, félicitations au Bagbadé National. Emma Loès, reçue par Willy Dombo à la radio, fait son grand déballage, Frédéric. Ouais. Elle fait son grand déballage. Alors, donc, elle parle d'amitié, de clash, Elle a tout dit, en fait. C'est-à-dire que dans cette émission-là, elle a voulu tout dire. Elle a même elle dit a répondu ça. À toutes les questions. Elle a répondu à toutes les questions. On lui a donné des prénoms, on lui a demandé son rapport avec les gens. Et voilà, donc il y avait Seridi, elle dit que c'est son grand frère chéri. José, c'est son ex-petite sœur. Ex-petite sœur, s'il vous plaît. C'est son ex-petite sœur. Oui, parce qu'elle disait qu'elle a donné et elle n'avait pas eu l'impression qu'elle recevait en retour. Voilà. Et que José aurait été raconté sur elle. Des trucs de meuf, quoi, vous voyez. Et donc, du coup, José est passé au stade d'ancienne petite sœur. Comme ancien footballeur. Voilà, c'est ça. Et donc, elle a dit qu'elle n'existe plus pour elle. Ah. Oh, wow. Voilà. C'est fort, ça. Elle s'est également exprimée sur l'anniversaire, non? Oui. L'anniversaire pendant le Covid. Oui. Alors, elle a parlé de ça. Avec Armène ou...
Non, avec Carmen qui est non, il y avait tout le monde à cet anniversaire-là. Non, Carmen n'était pas à l'anniversaire. Elle n'était pas à l'anniversaire. Le truc avec Carmen, c'était parce qu'on les a vus ensemble. Et Carmen est censée être dans un veuvage absolu. Mm-hmm. Et donc, du coup, qui a reçu pas mal de critiques. Voilà. Et donc, elle expliquait qu'il n'y a pas de format de ouais. Voilà. Et que ce ne sont pas elles-mêmes qui ont balancé ces vidéos-là. C'était quelqu'un d'autre qui avait filmé. Elle a parlé de biscuits de mer aussi. Oui. Elle a dit franchement qu'elle n'avait aucun problème avec elle. Il y a eu quelques clashs, mais c'était plutôt light, du clash basique. Quoi. Uh-huh. Voilà. Et puis Nathalie, quoi, elle a dit c'est mon doudou. Oh. Ouais. Oh. Mais, et elle a aussi fait des révélations sur des prétendues chirurgies esthétiques qu'elle aurait. Prétendues retouches qu'elle aurait fait sur son corps. Elle a parlé de sa poitrine. Ouais, elle a dit qu'elle a fait que sa poitrine. Voilà, voilà, c'est ça. Bon, enfin bref, c'est du MLOS et c'était assez intéressant. Ça m'a beaucoup fait. Pourquoi tu ris maintenant? Ah, ou les femmes. Tout ça, c'est des affairages. Est-ce que tu as suivi un peu? Des affairages ou des faits? Tu as suivi un peu cet affairage-là? Pour ma part, c'est des faits. Moi, je joue au foot, je suis un footballeur, donc toutes les femmes, des piscines, des. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, Adi. Toi, Adi, n'est-ce pas? Moi, si tu l'artiste pas de football, okay. Camerounaise Daphné surprend la toile et fait des révélations choquantes. Yes. Sophie. Oui, alors, donc l'artiste Daphné a révélé sur son compte Instagram en début de semaine qu'elle avait été violée dans son enfance et, par un homme dont elle ne se souvient pas. Donc, ce traumatisme l'a fait vivre en dépression constante depuis plusieurs années et lui a créé même des complications sévères au niveau donc, de son appareil reproductif. Mais grâce à un suivi psychologique qu'elle a osé, entreprendre, elle a réussi à passer une étape super importante de sa guérison. Donc, elle s'est rasée la tête parce que c'est la photo avait fait le buzz, on va dire, sur les réseaux pendant un moment parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, elle s'est rasée la tête quelque part pour annoncer en fait ce renouveau, cette renaissance. Et elle a officiellement lancé son association. Elle a lancé son association Be Woman by Daphné visant à donc soutenir ces jeunes femmes qui subissent ou qui ont subi des abus sexuels, mais également à promouvoir le soutien psychologique surtout parce que c'est vraiment une situation qui reste encore très tabou hein, d'aller voir des psys quand on vit ce genre de situation sous nos tropiques. Donc voilà, elle voulait vraiment insister surtout sur ça, sur le soutien psychologique. Elle a reçu beaucoup de soutien. Énormément. Des posts sur les réseaux sociaux. Il y a José qui a fait un post pour la soutenir. Ouais. Mais pas que. Beaucoup de femmes ont réagi. Des femmes, des hommes, des personnes l'ont trouvé très courageuse. Surtout d'en parler comme ça ouvertement. Voilà. Et puis parce qu'il y avait un détail qu'elle a mentionné dans son poste, c'est que depuis 10 ans, en fait, elle n'a pas pu avoir de rapport sexuel à cause de ce traumatisme. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est mettre à nu. Quoi, On sait que tu es très zouglou, tout ça, mais est-ce que tu écoutes un peu Daphné, Emmanuel? Emmanuel, il n'est pas là. Hein. Daphné. Tu connais pas. Mais il a répondu. Il a répondu, en fait. Tu connais pas ces chansons? Il y a jusqu'à la gare. Voilà, voilà. Je suis calé. J'entends ce mot-ci, mais moi, les noms des artistes, là, moi. Je suis calé. Tu connais cette chanson? Elle chante, non? Ah, moi? Non. Mais Daphné chante. Daphné. Elle chante pas, mais Daphné chante. Attends, j'ai bien compris, elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis 10 ans. Ouais. Depuis 10 ans. D'accord. Ouais. 10 ans. Parce qu'elle a un vrai traumatisme, en fait. Non, mais en fait, elle a une maladie, en plus. Ça lui a créé une maladie génitale. Génitale. Et qu'elle n'a pas pu guérir parce qu'elle ne pouvait pas. Tu sais, quand on va chez un gynéco, en général, il y a une procédure et à cause du traumatisme, elle n'a pas pu subir cette procédure. Raga, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'ai envie de dire que c'est assez paradoxal parce que quand on voit ces clips, c'est une femme très sexy avec un sex appeal extraordinaire, sûre d'elle et puis voilà, qui assume ses formes, qui assume sa féminité. C'est une forme de thérapie peut-être. Voilà. Ouais, complètement. Et derrière, on ne s'imagine pas qu'elle a tous ces combats. Les artistes, c'est ça, c'est du jeu. C'est des personnages dans lesquels on rentre. 10 ans, vraiment. Non, mais c'est comme si elle n'a jamais eu de relation, en fait, sexuelle. Elle n'a pas 10 ans. Hors des frontières de l'Afrique, pour passer à autre chose, les réseaux sociaux pris d'assaut par une vague bleue. Et c'est une vague de dénonciation, une vague d'alerte sur le sort des Ouïghours en Chine. Des détails sur cette histoire, Rabia? Oui, en fait, il s'agit d'une communauté,
C'est une minorité mm-hmm. en Chine. Communauté musulmane. Musulmane, oui. Et depuis quelques temps, ils sont un peu plus d'un million dans ce qu'on pourrait appeler des camps de concentration en Chine. Et on dit qu'on les force à boire de l'alcool, à manger du porc. Et en fait, l'histoire a commencé en 2019 quand le New York Times a publié un rapport ultra secret de 400 pages dans lequel on relatait des propos du président chinois Xi Jinping, oui, c'est comme ça, j'espère que j'ai bien prononcé, qui disait en fait qu'il fallait user de moyens de dictature pure et d'aucune pitié pour, voilà, pour éradiquer l'islamisme, disons l'islamisme radical. Et donc, c'est, ils disent que ce sont des camps de formation, mais en fait, aucune image ne filtre, on ne sait pas ce qui se passe. Et nos confrères bruts qui sont sur Internet, qui font un excellent travail d'investigation, ont pu infiltrer, avoir des images. Et il y a un reportage dessus, justement, sur les réseaux sociaux que les téléspectateurs peuvent voir pour avoir des détails. Donc, ce ne sont pas des camps de formation professionnelle, non, justement, en tout cas. C'est vraiment... On parle encore en 2020 de camps de concentration. De camps de concentration, de génocide. Et aujourd'hui, l'idée, apparemment, de ce qu'on dit, c'est d'éradiquer cette... cette minorité-là qui existe en Chine depuis plus de 1000 ans. Ça rappelle beaucoup de choses, hein, voilà. De mauvais souvenirs, la Shoah et tout. Ouais. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire, Emmanuel? Tu suis un peu l'actualité dans ce sens-là? Non. Non. Il suit l'actualité, mais il n'est pas au parfum de cette histoire. Non, je suis, mais par contre, ça, non, c'est pas... Ouais, surtout que la nouvelle était plus sur les réseaux sociaux que la télé. Mais en tout cas, beaucoup de personnes se sont insurgées contre cela et il y a eu énormément de protestations de la part de stars, de personnes connues, de personnalités aussi. C'est pas beau. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour stopper ça? C'est déjà bien de dénoncer. Il faut en parler. Et ce qui surprend le plus, c'est que personne n'a l'air de s'indigner, à part les internautes, en fait. Oui, c'est ça. Donc, quand vous verrez bleu turquoise, sachez que c'est pour ce hashtag-là, partagez, pour que tout le monde... Pour toute personne. C'est le nouveau concept. Mon voisin, tu ne m'aimes pas, tu n'as qu'à te... C'est que même pas la Dieu, tu ne m'aimes pas, tu n'as qu'à te... C'est le nouveau concept. C'est que même pas la Dieu, tu n'as qu'à les... Tu ne m'aimes pas, tu n'as qu'à te... Ceux qui n'aiment pas Life, la calé. Non, voisins qui nous aiment pas la calé. Clairement. C'est quoi cette prière? C'est quel gars ça? Non, j'ai pas. T'as pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tu n'as même pas le temps. J'ai ma femme qui... Donc moi, je suis un chef cristo et j'étais seule, hein. Pieuvre et sel. Mais quoi, le ballon est là. La tête, non, mais... surprise. Donne-moi. Attends, le ballon. Coucou, là, c'est bon, ça passe à essai. Essai. On va compter, la fille. 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22. Toi, tu penses que tu vas venir chez Live TV? Ah, merci. Le début d'Emmanuel, il n'a qu'à jongler, puis c'est fini. Ruban. Comment je... Ah, les gars! Mais c'est pas bien, trop facile! Merci, Jimmy! La vie est trop simple pour toi, Adam! Fais appel au chakra! Voir si tu vas faire les 30 là! Non! Mais est-ce qu'on peut attacher ça? Mais attends, le plateau en sky, latex! C'est en prélude, à 50 minutes, 51 degrés! C'est le teaser du film! Tu as la bonne teaser! Elle est là! Vas-y, elle est là! Oui. On te fait pas mal, hein. Non, c'est... Allez, tiens. C'est qui a les chaussures? Attends, on veut des chaussures? Oui, pour... Non, on veut pas. Non. Ok. Oui, nous, on y va. Top. Faudrait pas qu'on garde son nom. Oh là là, c'est... Allez, pas au moins 5 comme ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se Et Emmanuel, c'est pas fini, hein. Il faut une difficulté, un avantage difficile. La vie est trop facile. Emmanuel, maintenant. Troisième niveau.
On n'enlève pas chaussures ici. Ça va, tu vois clair? Oui, oui. Bon, prochaine difficulté, Emmanuel. Rabia que voilà. Oui. Tantie par la... Elle aime pas la seule. Elle va te faire une scène de ménage pendant que tu jongles. Tu dois rester... tu dois rester concentré, oui, malgré tout ce qu'elle va te dire, d'accord? Oui. Ok, et on va compter. On va pas compter, on va laisser Rabia faire sa scène. On va compter dans notre cœur. Allez, vas-y, Rabia. C'est qui la fille qui t'a appelé sur ton téléphone? Ah, c'est qui? Réponds-moi. Non, on refait ça, on refait ça. Non, Rabia. Dis-moi. Philippe t'a dit non. Allô, allô, c'est qui Naomi? Dis-moi. C'est qui la fille qui t'a fait un message? Mais c'est moi, et puis quoi? Ça fait quoi? C'est moi? Non, non, mais je suis désolée, réponds-moi. Mais réponds. Il va lui mettre d'un coup. Mais ça compte pas parce qu'il n'y a pas de problème. Après, tu as répondu? Ma casserole. Ouais, voilà. Non, c'est une scène de ménage. On aurait dû casser, il y a un reste de pieuvre, machin. Allez, on va faire un dernier. Tu vas jongler en chantant une chanson de Zouglou. Ouais. Mais une chanson rapide. Hein. Non, une chanson douce. Okay. Oui. Non, pas douce. Gaspille la banane. Il faut qu'on se rebasse. Bon, vas-y. Non, non, il faut que tu chantes. Allez, vas-y. À moi like zo 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 à moi like zo zo à moi. C'est qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Zo. C'est qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'est pas fini. Oh. Enfin, encore. Allez-y. Allez, vas-y, vas-y. C'est bon, facile. C'est bon. On applaudit. Merci Emmanuel. Assieds-toi. J'adore. Bravo. Tu veux t'asseoir? Allez, rendez-vous dans quelques instants seulement. Restez avec nous sur Live TV. Le Live Weekend se poursuit dans quelques minutes avec les plans du week-end de mes queens. Et le Zap TV. Et si on a le temps, on a une petite surprise en soumbrelele avec notre invité Emmanuel Eboué. À tout de suite. Alors, dans cette partie, Emmanuel Eboué, comme c'est le week-end et que tu es en train de chercher Chogoya pour aller boire deux bouteilles d'eau. D'eau bien glacée. Bien glacée, voilà, bien frappée. Alors, elles vont te présenter chacune son tour, un plan, ce qu'elles vont faire elles ce week-end. Et puis toi, à la fin, tu vas choisir ce qui t'intéresse le plus, d'accord? Ok. Et on va commencer par Esther. Ah d'accord, ok. Alors, Emmanuel, oui. Football, rugby, athlétisme, tout ceci se passe à l'Arc de Triomphe, officiellement appelé le Stade des Bimpé. Ah. Donc, ce stade a été construit sur 20 hectares, mmh, avec un vaste village de 287 hectares qui sera tout autour. Et c'est une pure merveille. J'y ai été pour visite, mais l'accès à l'intérieur n'était pas permis dans le temps. Mais il y a l'inauguration demain. Et bon, samedi, 50 000 personnes sont attendues. Toutes les places sont gratuites. Et à cette occasion, il y aura un match gala entre l'Africa Sport et l'ASEC Mimosa. Inutile on de te demander déjà, qui est-ce que tu soutiens, effectivement. Donc, come with me, viens avec moi. On va inaugurer cette fierté de l'Afrique, cette fierté ivoirienne, et pouvoir donc, toi, voilà, tu seras au stade. Assister au match. Okay. Au match. Pourquoi donc, pas, tu n'as oui, pas encore changé d'avis, ASEC ou Africa? Ça a changé? Ça a changé. Moi, je supporte le football ivoirien. ASEC ou Africa? Je dois dire oui. Bon, j'étais formé à l'ASEC, donc ASEC, c'est l'ASEC. ASEC ou Africa? Ah, il te dit. ASEC, mon frère. ASEC, Africa? Je sais pas, j'ai envie de panacher du coup. Mais comme je n'ai pas encore prononcé mon plan du week-end, ASEC. Ouais. ASEC, Africa? Les lions indomptables. Voilà. Oh, ah, voilà. Oh, le truc. Les lions d'un moi, je vous dirais, si je suis plutôt ASEC ou Africa. Alors, la beauté donc, Rabia. La Suisse. Alors, déjà, il faudrait que je précise un truc. Tout à l'heure, c'était vraiment sans rancune. Hein. Je voulais c'est vraiment pas te... C'était le jeu, quoi. Non. Tu comprends? Est-ce que tu vois? Allez, vas-y, donne-moi ton plan, Rabia. Alors, mon plan, c'est que... Écoute, tu as déjà fait les stades du monde et tout, tu vois, tu les as déjà assez vus, quoi. Vraiment, c'est du déjà vu. C'est derrière toi, tout ça, tu vois. Le soutien. Alors moi, ce que je te propose, c'est une balade à la baie des milliardaires, d'accord? C'est une balade lagunaire,
tu vois, dans la journée. Après, il y a une randonnée. Tu es un sportif, il faut que tu marches. C'est 3 kilomètres. 3 kilomètres. Absolument de marche. Et puis après, c'est un truc où que tu peux passer en famille, tu vois, avec ta charmante épouse. Et puis, vous allez, y a des jeux. Et puis, voilà, c'est vraiment une superbe journée qui s'annonce. Et il y a plein de jeux, tu vois, des jeux d'esprit, des jeux physiques et tout. Il y a un déjeuner aussi prévu, un goûter. Et puis après, voilà, de 8h à 16h30. Ouais. Puis c'est, voilà, c'est presque une demi-journée, donc c'est jouable. Frédéric. Ouais, c'est long. Hein. Là, alors, moi, je te propose grosse ambiance, tu vois. Il y a petit Denis qui fait son concert. Avec le Covid, tout ça, ils ont reporté plein de fois. Voilà, c'est l'occasion de petit partir. Petit Denis, c'est ton truc, ça. Ah, Zouglou, ouais, hein. 14h, grosse ambiance. Zouglou, vrai Zouglou. Petite somme en plus. Elle je sais même plus même tellement pas c'était le une petite Zouglou somme. Elle-même. Oh là là. Qu'est-ce que tu en que de la stratégie. Chante. Je chante pas, petit Denis. S'il veut me voir chanter, il vient demain, on chante ensemble. Et donc, du coup, voilà, rendez-vous là-bas. Conny va aussi, regarde. Ah, moi, je te rien dit encore. 14h. Sophie, pour terminer. Sophie a la haine, mais elle termine. Le plan de Sophie. Alors, Emmanuel, tu connais les stades. Elle veut te faire courir, on ne sait pas pourquoi. Le Zouglou, tu écoutes ça tout le temps. Mais une seule fois par an, une seule fois, il y a une élection qui célèbre la beauté de la famille Borriane. Comme la femme que tu as épousée. N'est-ce pas? Donc, en honneur pour elle, demain soir, tu seras au palais des congrès. De l'eau. Du Sofitel Abidjan. Ouais. Ivoire. Pour aider le comité. Bah oui, le comité ministre Côte d'Ivoire à choisir la femme qui va représenter la beauté et l'intelligence ivoirienne. Mm-hmm. Et je pense qu'un homme comme toi, qui a su discerner la beauté ivoirienne dans ta femme, tu sauras faire le bon choix demain. Et pour ça, tu votes au 98 000 au stade des Bimpé. C'est important. On a besoin de cette reine Emmanuel de beauté-là. Emmanuel vous a écouté les filles. C'est à quelle heure la soirée? Don't worry. Si, mais attends, moi, je trouve fini à 16h. C'est à lui de choisir. C'est à lui de choisir. Il faut savoir soutenir tes confrères. Hein. Emmanuel, tu vas où? Le match, c'est à quelle heure? Le match, c'est toute la journée. Hein. C'est 17h, le match. Non, c'est 17h, mais il faut y aller avant. C'est un footballeur, il doit y être avant. Ça finit à 16h. Donc, c'est un programme de jour. 21h. Il va le faire à Olivier qui s'y tente. Mais il y a le red carpet, tout ça. Et vous? 14h. Simplement. Tu vas où? Donc, je pense que je peux passer partout. Voilà. Donc, tu vas partir partout. Oui, je peux aller d'abord le 1. Comme 1, ça finit à 14h. Ça, c'est le 1. D'abord le 1. Donc, j'ai gagné. D'abord, tu dois choisir 1. Un. Non, il faut choisir. Bon, je suis un footballeur, donc ça me fera plaisir d'aller... À l'inauguration du stade. Hein. Elle s'est regardée. Ah, ouais, elle est Tu connais les bonnes choses. Donc, tu vas supporter l'Africa ou la SEC, finalement? La SEC, hein? Ouais, je vais au stade et prendre plaisir et puis supporter les deux équipes. Ouais. Allez, Mimo! Allez, les Mimo! Je vous ai dit! Je suis déçue. Non, il a fait le bon choix. Non, il dit qu'il est footballeur, donc tu ne renies pas l'académie. Hein. Fais attention. Moi, je pense à toi, que c'est logique. Mais de toute façon, après, il peut aller à la soirée de. Oui, il faudra franchement passer sur la prise à finir. Je vais aller au stade. Voilà! Je suis une deuxième gagnante. Elle n'aime pas perdre, elle. Allez, voici le Zap TV, les filles. Bonsoir. Quand c'est une femme qui a un enfant au dos, c'est un transport individuel. Maintenant, si elle a eu des jumeaux ou des jumeaux qu'elle a mis au dos, c'est un transport en commun. Un dos en commun. Attention. Américain, le fondamental. 50 000 spectateurs sont attendus pour assister à la cérémonie d'inauguration du stade olympique des Bimpé prévu samedi. Oui. Viens. Mets-toi ici. Ah, petit, tu as fait quoi encore? Oui, c'est pas bon. Il y a la psychose généralisée dans le pays. Les gens ont peur. Les gens, nous, on n'a plus envie de revivre les événements de 2010, sincèrement. En toute sincérité, on a un peu de la crainte, mais on met dans la main de Dieu. J'espère que ça va aller. Vous lui respectez, hein? Où est mon fils? Il doit goûter à Cécilia. Ah! Pépé, c'est pas peut-être. Toi aussi, tu as dit que tu vas avoir grosse ceinture comme ça? Ah, bâtard! Tu veux savoir qui sont ceux qui ont intervenu dans le processus pour que, au niveau de la commission électorale, il y ait des blocages.
quand même, il ne faut pas jouer au dur. Bah oui, bah voilà, on ne sait jamais. Je comprends, voilà. Je comprends un peu. Non, mais nous, c'est élève aujourd'hui. C'est à l'école qu'elles vont jouer les mannequins. J'y parie, si poitrine. Poitrine sont sur le coup. Professeur n'a qu'à voir ça, elle aura fait de moi. C'est grâce à la fessie que le multipartisme existe en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc la fessie est âgée que le FPI, le RDR et tous ces partis-là. Nous sommes à la recherche du véritable amour. Ah, ok, véritable amour. Au fait, il vient d'arriver dans un nouveau coin. Donc, il ne sait pas où ça se situe. Ça se situe. Il connaît où, il connaît Fokodi Pamere. Le coq est mort, le coq il a mouru. Il ne dit la pluie, Kokodi, Kokoda. J'ai appelé mon grand frère et ami Yapobi. Le conseil de Miss Côte d'Ivoire a acté ma candidature. Donc j'irai en espérant être élu Miss Côte d'Ivoire 2020. La loi en Côte d'Ivoire dit on doit prendre les personnes handicapées. Mais qui va vouloir prendre une personne de petite taille comme ça dans ta boîte? D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que, monsieur le ministre, Dieu vous garde. Amen. Le cas maintenant, quoi. Oh, c'est trop, mon gars. Vous avez vu, non? C'était la semaine dernière, il dit, ça, c'est en dessous de table. Mais quand c'est comme ça, paf, il met l'argent, on appelle ça un don. Il est trop ouf, on l'embrasse très fort, Mike Danon. Allez, voilà. Non, c'est pas fini. T'as vu comment on l'a regardé? Non, c'est le moment, parce que on disait que si on avait un peu de temps, on ferait une surprise à Emmanuel Eboué, comme on le fait tous les vendredis, d'ailleurs, avec nos invités. Parce qu'on est très avenants ici. Ouais, alors, donc, Emmanuel, comme tout à l'heure, on t'a donné un défi. Exceptionnellement, en cadeau pour toi, choisis un défi pour les filles. Voilà. Non, 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 toi, tu décides. Non, là, tu touches plus même. Là, du coup, tu décides. C'est ce que tu dis qu'on fait. Bah. Mais tu peux être gentil, tout ça. Oui, s'il te plaît, arrête de trop te concentrer. D'une fille à une autre. Hein. Oui, ça peut varier. Tout le monde. Je suis gentil. Alors, qu'est-ce que... C'est là qu'on m'appelle Emmanuel Eboué. Dieu est avec nous. Donc, puisque Dieu est avec nous, le défi ne sera pas super compliqué. C'est quoi? Faut bon. Nous dire. Où est le ballon? Il est où le ballon? Le ballon? Oui. Allez, on envoie le ballon. On apprend. C'est quoi cette histoire? Non, non, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous voyez comme ici, Pointe? Vous allez enlever les talons. Ça va dépendre du bon. Si vous voulez porter, ça dépend de vous. Pour faire moi, quoi? Je préfère que vous enlevez les talons. Vous allez jongler. Toi. Trois. Avec le même pied. Mais il ne nous respecte pas quand même. Bon, okay, cinq à la fois. C'est bon, comme tu as dit. Non, c'est bon, ça va, il a dit trois. Bon, on respecte ce qu'il a dit. Non, non, non. C'est bon. Ok, trois. Moi, j'ai une question. Est-ce que des fois, regarder le ballon, ça compte? Non. Juste trois et le ballon, t'as pas compris. Mais c'est quoi le gage? Si on arrive à le faire, c'est quoi le gage? Bon, j'ai pas le dire à la télévision. Ah, comment? Non, non, on est très ouverte. On a des témoins. Nous, on veut des témoins. La télé, c'est quoi? C'est quoi le gage? Trois, là, trois, là, c'est facile. Hein. Hey. Non, c'est non, cinq. Toi. Non, non, cinq. Ah, ok, cinq. Ok, cinq. Et puis, cinq, c'est quoi? Cinq, c'est rien. Si vous arrivez, celle qui fait cinq, je lui donne 50 000 là. 50 000? Attends, pas personne. Et si cinq font cinq? Attends. Non, pas personne. La première a fait cinq. Non, pas partagé. Ah, ok. Non, c'est pour cinq. Esther! Voilà. Comment on vient? La première à faire 5. Ah, avec tu vas enlever tes chaussures, qui est prête? Avec les deux pieds. Grave pas prête. Avec les deux pieds. Il a dit avec les deux pieds. Non, ça c'est compliqué. Non, avec les deux pieds. Non, ça c'est compliqué. Un pied. Alors, Sophie est prête. Peut-être que j'arrive. Jouer au foot. Allez, on encourage Sophie, s'il vous plaît. Allez, on va y aller rapidement parce qu'elle est prise par le temps. Sophie. Vas-y, allez, vas-y. Vite, vas-y. Vas-y. 1, 2. Est-ce que c'est vous? Allez. Oh là là. Allez, à suivant. 50 000 pour 3. Non, tu es déjà prête, vas-y. On va couiller ensemble. Hein. On a les 3 ou 5? 5. Vas-y. Oui, vraiment. Ah, mais Emmanuel ne voit pas. Ah, toi, tu n'as pas fait. Même deux, tu allez, la balle. Et dire qu'elle a enlevé les chaussures, tout ça. On peut se montrer ça avec la tête. On peut se dire que celle qui fait le plus, même si elle n'a pas atteint les 5, tu donnes le jack. Tu donnes la monnaie. En fait, 50 000, 10 000 par. Moi, j'ai fait 1, non? Non, attention, Rabia. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. 1, 2, allez. Et on termine. Elle a pas fait 2, elle a pas touché.
Elle a fait la tête bleue. Franchement, si j'arrive à toucher la balle. La balle. Plaisir. La balle, s'il vous plaît. Frédéric, je veux manger ton argent ce soir. Allez, Fred, gagne. Non, mais on a dit, je veux pas courir derrière la balle. Allez, on y va très rapidement, les filles. Ah, ben là, très rapidement, attends, il me faut du temps. Genre, la meuf professionnelle. Très pro. Comment ça se passe? Je vais juste taper comme ça. Oui, c'est ça, Fred. Mais je lance et je tape. Oui. Rien que parce que je lui ai fait la passe. Rien que parce que je lui ai fait la passe, ça compte. Vous avez gâté mon nom. Vous m'avez énervé, les filles. Elle n'a pas pu faire E. Tu repars avec tes 50 000. Dieu te voit. 10 000 que gagner. Moi j'ai 10 000. C'est moi qui ai gagné. 10 000. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'on est à la télé et qu'on a une heure à respecter? Merci beaucoup. Emmanuel, merci vraiment d'être passé. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais passer avant de... D'abord, partir. D'abord, j'aimerais dire merci à Dieu d'abord pour sa présence au milieu de nous parce qu'il sait qu'il est là. Amen. Il est là. Je souhaite bonne chance, longue vie à Life TV. Hey. Sachez que c'est une famille. Mm-hmm. Je suis là. Je serai toujours avec vous. Je vais toujours vous soutenir. Mm-hmm. Et que la paix règne. Notre pays, parce qu'on a besoin de la paix. Amen. Merci Amen. Beaucoup, et Emmanuel. Vous avez dit beaucoup, Emmanuel. Thank you. Non, c'est important, c'est Emmanuel le plus bien. Beaucoup d'Emmanuel. Non, mais merci vraiment. Merci d'être venu. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci. N'oubliez pas sur Live TV 50 nuances de grès. Ça va suivre dans quelques instants seulement. C'est la fin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était le Live Weekend. Avec Emmanuel et vous, on espère que vous avez apprécié le show. Woo! Avec les Queens, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres émotions, pour d'autres moments de fun en Sumbrelele, évidemment. Merci de nous avoir suivis, merci aux équipes derrière. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Et la musique, et la musique, et la musique. Emmanuel, merci encore, merci vraiment. Hey, on met le son. Attends, tu comprends? Hey, ça va chauffer à vous, ça va chauffer à vous.